Bonjour, bienvenue sur ma vidéo. Dans cette vidéo, je vais commencer la chasse aux Templiers. Ces missions permettent d'avoir des clés pour avoir la tenue des Templiers. La toute première clé, nous la recevons dans la mission 7 de la séquence 3. Et les quatre autres, on les reçoit ici. En tout, il y en a 5. Et on va commencer par la chasse aux Templiers 1 et la mission 1. On y va, c'est parti! Opia? Oh, doucement, ma jolie. Je pensais que tu avais besoin d'aide. Pourquoi? Que viens-tu faire ici? J'ai vu ton nom sur une carte. Une carte que j'ai probablement vendue aux Templiers, par erreur. On fait tous des erreurs. Tu es méprisable. Tu nous plonges une lame dans le dos avant de jouer les sauveurs. Écoute, je vais être franc avec toi. Je cherche aussi une clé. Et je me suis dit que si je vous aidais, vous me laisseriez la garder si on la trouve. Je vois. T'es offensé. Je m'en vais. Je te mets au défi de nous battre à la chasse. Rapporte plus de peau que nous, et tu l'emporteras. Facile. J'accepte. J'aime bien chasser. Allez, on y va. Ok, il est là. Cours pas. Arrête de courir. On n'échappe pas à moi. Un simple coup de chance. C'est normal. Je lui ai tiré dessus. Non. C'est pas juste. T'as eu de la chance aussi. J'allais l'avoir. Bon. Ok. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux nous battre? Voilà, on va lui tirer dessus. C'est plus facile. Sinon, il est très rapide. Ah, il y en a encore un là. Voilà, ça fait 3. Pour toi, mais je ne suis pas inquiète. 3, 2. Waouh. Mince. Voilà. Enfin. Le jaguar blanc. Très belle prise. Tu as amplement prouvé ta valeur. Nous acceptons ton aide. Pour faire quoi? Regarde. Ok. Des frégates. Mais... je croyais qu'il n'y avait que des poissons ici. Non. Voilà tes Templiers. Tu as un navire et la peau claire, le vaisseau et le passeport. Retrouve-nous à Grand Caïman pour nous aider dans nos recherches. Bon, j'ai terminé la mission 1. Passons à la mission 2, c'est parti! Voilà, je vais commencer la mission 2, c'est parti! Opia, comment allons-nous aujourd'hui? Nous sommes surpris. Nous ne pensions pas que tu tiendrais parole. Dis,
Pourquoi espères-tu trouver ta clé magique ici ? Elle attire irrésistiblement les Templiers, si ces navires sont bien les leurs. Nous ignorons ce que les Templiers cherchent. Ces gens ne sont que de simples pêcheurs. Peut-être pas si simples. Je vais y faire un tour, voir ce que nous pouvons découvrir. Ok, on y va. Ok. Toute la prise que tu gagnais une fortune. Oui. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on m'appelle le roi des pêcheurs. Il faut les écouter. Je t'appelle comme ça. Oh, ne sois pas envieux. Envieux ? Je ne suis pas envieux. Je peux te montrer le contrat de vente, si tu veux. Signé par Vargas, le bras droit de la señorita Marquez. Sa maison lui sert de quartier général. Je l'ai même vu en allant livrer le poisson. Tu vois, Alvin est presque noble maintenant. Oh, un pêcheur noble. On aura tout vu. Bon, il faut suivre... cette personne... Il faut voler le registre, ok. Allez. Ouais. Bon, j'ai terminé la mission 2. C'est parti pour la mission 3. C'est parti pour la mission 3. On va pouvoir tuer des types là. Enfin, j'espère. Voilà, c'est bon. Tu as réussi ? Ils n'ont qu'un nom à la bouche. Marquez. Une amie à toi ? Elle porte le nom de l'homme qui a détruit notre village. Nous nous sommes battus, ils nous ont vaincus, mais leur chef n'a pas pu jouir de sa victoire. Tu penses que cette femme est de sa famille ? Si c'est le cas, nous sommes en danger. Le contrat de vente que nous avons volé indique l'adresse d'un de ses employés, Vargas. Oui, je sais où ça se trouve. Allons voir la pâteur, pour lui demander ce qu'il sait. Suis-moi. Ok, je te suis. Comprendre ce qui est en jeu. J'ai ma petite idée. Non, ce n'est pas seulement ta clé. Certains disent que les Taïnos sont complètement disparus. Mais nous ne disparaîtrons jamais. Notre combat continue. Nous y sommes. La maison de Vargas. Cache-toi. Nous allons exploiter l'élément de surprise. Allez, cache-toi. Ok. On va se mettre ici. Hola ! Et que venez-vous faire ? J'aimerais avoir une audience avec la señorita Marquez. Poursuis-le. Ok, on va le poursuivre. Il n'ira pas très loin. On doit capturer Vargas. Ok. T'as oublié que j'avais un navire aussi, toi. T'iras pas trop loin. Allez, c'est parti. Ils s'enfuient ! Vite ! T'inquiète, il n'ira pas loin. Faut mettre hors d'état le navire ennemi.
On va tirer des boulets chaînés. Voilà. On va aller l'aborder. Nous le tenons. Aborde-le. Allez, on aborde. Ok, on va tuer les soldats. On va attendre que notre navire s'approche du navire ennemi. Et puis, on va le tuer. Voilà. Encore un peu. Eh, c'est des traîtres, hein. Il essaye de nous avoir par derrière. Voilà. On a eu Vargas. Parle, et vite. Où est Marquez? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est déjà partie pour Juventud. Allez-y si vous voulez. Son armée vous réduira en pièces. C'est ce qu'on va voir. Juventud est une île aux mains de nos ennemis. Si Lucia Marquez est là-bas, elle compte sans doute s'en prendre à nous. Combien d'ennemis avez-vous? Quand tu es traqué, tu as tendance à voir un ennemi en chaque étranger. À Juventud, une trêve fut instaurée après la mort du premier Marquez. Mais cette femme pourrait raviver les vieilles discordes si elle en a les moyens. On doit l'en empêcher. Je prends ce navire. Retrouve-moi là-bas si tu veux ta clé. Ok, j'ai terminé la mission 3. Nous allons faire la dernière mission. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la mission 4. On va aller tuer Lucia Marquez. C'est parti. Elle va me donner la deuxième clé. Une éternité s'est écoulée depuis notre dernière visite. Cette jungle est toujours un nid de lianes et de pièges. Marquez saura en tirer profit. Mais nous, on sait qu'elle est ici, alors qu'elle ne nous attend pas. Il faut la trouver, la faire sortir de son trou et se débarrasser d'elle à jamais. Voyons où va cet homme. Ok, on va suivre. Voilà. Juste au bon moment, hein.
Bon, elle est par ici. Il doit se cacher. On devrait faire quelque chose qui la fera réagir. Oui. Élimine ces hommes. Sers-toi d'un baril de poudre! Bon, là, je les ai placés. Ok, on va aller par là. Marine de poudre. Ok. Ok. On doit les tuer. Ok, on va suivre. Allez. On a tué Lucia Marquez. Allez, Lucie ! Ouais. Non. Eh oui. Je ne peux pas mourir de la main des Taino. Mon père voyait un tel potentiel dans ces îles. L'or. L'industrie, la liberté, tout ça gaspillé. Vous ne saurez jamais quoi en faire. Il aurait pu vous apporter la richesse. Tu penses que nous gaspillons la liberté en vivant libre? Tu meurs prisonnière des dogmes des Templiers. Perds pas ton temps à parler avec une morte. Et voilà la deuxième clé. Voilà ma prise. Voilà, j'ai terminé la mission 4. De la chasse aux Templiers. Une. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous invite à regarder La Chasse aux Templiers 2. À plus.